Hello tout le monde, c'est Falken et bienvenue sur notre 9e épisode de notre Let's Play sur God of War 3. J'espère que vous allez tous et toutes bien les amis. Et franchement les amis, après un épisode monumental la dernière fois qui a été plus long que d'habitude, je m'en excuse encore une fois d'avance. Eh bien nous avons fait beaucoup de choses les amis, beaucoup de choses. On a revu la boîte de Pandore, je vous rappelle qu'il est juste là grâce à nos fabuleuses Zeldikar. Et on a appris finalement que nous devions aller voir Pandore sur le conseil d'Athéna pour finalement trouver la flamme de l'Olympe, hein, je vous le rappelle. Nous avions fait aussi la connaissance d'Hermès qui nous nargue là-bas, il est juste là-bas, regardez. Et j'étais en train de me poser la question les amis, est-ce que ça vous intéresserait, oui tout simplement, que je vous propose, peut-être pas maintenant, mais sur... quelques épisodes, une facecam, parce que sachez que j'ai toujours l'habitude de filmer avec un facecam. Hein. Je sais maintenant comment faut faire et bien les épisodes. Et je me disais, pourquoi pas, si ça pouvait vous voir mes réactions en direct, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Voilà, dites-le moi en commentaire encore une fois, merci de votre fidélité vraiment sur cette saga. Je tourne un petit peu en avance, hein. C'est vrai que j'avais annoncé que je tournerais 3 épisodes en avance. C'est vrai que pour votre part, l'épisode 8 et donc celui-là, l'épisode 9 seront tournés en avance. Que j'ai tout simplement un stock de vidéos assez conséquent pour garantir du contenu tout simplement sans faire de jeu de mots pourris et surtout de répétition. Et je vous propose les amis que nous continuions un petit peu dans la direction de notre ennemi ou ami, je ne sais pas. Bonjour. Tu as été chanceux au combat spartiate, mais ta chance va tourner. Alors, je me posais la question, tout simplement, s'il nous narguerait pas. Parce que ça paraît évident, quoi. Alors, on peut aller par là, mais moi, je voudrais aller voir par là. Oui, on fait bien. Regardez tout ce qu'il y a. Oui, hein. Pas trop ton malin, toi, hein. Je vais avoir. Regardez. Ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Plonger dans le chaos. Les humains ont payé le prix fort pour le mort de Poséidon, Hadès et Hélios. Et oui, Hélios, plus de soleil, maintenant la lune. Hadès, il n'y a plus d'enfer. Et Poséidon, les mers sont déchaînées. J'avoue. En fait, comme nous a révélé Athéna dans l'épisode d'avant, hein, c'est comme si on déversait tout simplement le contenu de la boîte de Pandore hein, sur Terre, hein, je vous rappelle. C'est sympa, c'est vraiment sympa, je dois avouer. Très mise en valeur, bien suggéré. Et ok les amis, on y va, on continue, on va aller voir notre ennemi. Alors, il n'y a rien par là. Go! Et viens là. Maintenez R1 pour glisser le long des pentes rapidement. Oui, de toute façon, on sait déjà. Parce que faut l'attraper. La citadelle d'Olympie. D'accord. Ouais. D'accord. Quelle lenteur! Oui, hein, tu vas te taire. Hein. Je l'aime pas. J'aime bien sa voix, mais... Je sais pas, je me méfie. Je me méfie grandement de lui, sachez-le. What? Eh, viens là. Ouais. Attention. What? La vitesse de l'Olympe m'accompagne. Dégage. Non. J'avais pas vu que les flammes doudounes montaient vers nous. Non. Non, mais voyons. Kratos. Alors moi, au moment, je veux toujours être rien loupé, et puis là... Ok, bon. Il va falloir qu'on se dépêche quand même. Alors, hop là. Voilà. Hop là. Alors maintenant, tu fais comme ça. Hop là. Voilà. Tu fais ça. Ok. Allez, on se dépêche. Viens là, Hermès. Viens là. Non.
Ouais, alors attendez. Je vais pas tenir longtemps. On va se dépêcher. Dégagez. Non. Monte. On s'en fiche de... Tiens. T'apprendras jamais. Gna. On dirait un gamin. Ok, rien du tout. Allez, on continue à aller à sa poursuite. En fait, ouais, il nous nargue vraiment, quoi. C'est un truc de fou. Mais au moins, maintenant, il nous montre le chemin. Et pour ça, il est gentil. Ou pas. Ok. Alors, rien en bas. Rien en bas. Ok, vas-y. Vas-y, mon petit Kratos, vas-y. C'est drôle, non ? Eh, rien, hein ? Donc rien à gauche, hein, parce qu'il fait pas le mouvement. Par contre, ouais, on va bien aller dans la direction. Alors du coup, comme ça, tout à fait. D'accord, appuyez sur R1, pas de soucis. Il est stylé quand même, hein. Il est vraiment stylé, je trouve. Ah. Ok. Presque spartiate, mais tu devras faire mieux. Comment il nous narre, quoi, c'est hallucinant, quoi. Vraiment, sachez-le, mais c'est stylé. Franchement, c'est stylé. Ah, par contre, là, je vois... Regardez en bas. Je sais pas si vous avez vu. Non, il y a un mur, hein. Il y a un mur invisible. On aurait pu croire qu'on aurait pu, là, aller en bas à gauche. Là, j'ai vu une sorte de porte. Bon, bah, écoutez, s'il y avait quelque chose, c'est pas grave. Let's go. Ouais, j'avoue, en fait, ils sont complètement perturbés, quoi. On va les laisser en vie un petit peu. Oh là. Par contre, ouais, eux, non. Gna. Ok, c'est bon. Let's go. Accroche-toi. Voilà. Ah, il est là-haut. Tiens. Mortel fainéant. Ah d'accord, et nous on va l'accompagner comme ça, très bien. Du feu. Tu veux du soleil? Voilà. Ah, ça les fait disparaître, j'adore. Énorme. Ok, on va faire attention. Voilà. Et on laisse accrocher. Et on fait ça. Yo. Voilà. Oula. Ok. Vite. Hop là, ça passe. Ça passe. On s'en fiche. On a tout à fond. L'herpi. Bien essayé, Kratos. Tu y étais presque. Oh. Oh mon dieu, non. Erden de la vie. Alors, au pire. Hop là. Et boum. Ah oui, le petit Cerber là. Ok. Il y en a encore un. Dégagez là, dégagez. Voilà. Allez. Allez-vous-en maintenant. Merci. Ok, très bien. Alors, rien du tout ici. Alors je vous rappelle que normalement quand j'ai comme ça il doit y avoir des particules. Et surtout s'il y a un coffre à révéler, eh bien la manette vibre. Donc il faut que je déplace la tête. La tête d'Elios. Ok, allez, go. On va monter. Juste là il nous attend. Mais comment il se joue de nous? Ok. Simplement. Attends Hermès, t'inquiète pas.
On va arriver, on arrive. Ok, c'est bon. Tu m'amuses, Martial. Et si on jouait encore un peu? Ah, la saleté. Allez, Kratos. Il est classe quand même, hein. J'avoue, il est quand même super classe. Alors, est-ce qu'on peut... On aurait pu peut-être... Ok, donc ça s'effondrait, pas de soucis. Je regarde au cas où, hein, si on pourrait pas... sur un vitrail. Ok, là... Et là, ici. Ok, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver juste une ouverture... Ok, en l'occurrence comme ça, je suppose. J'ai checké un petit peu avant. Non, on peut vraiment pas y aller. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Wow. Eh ben c'était très stylé, moi je dis. Vraiment, sachez-le. Ah, il est où notre copain Hermès? Où es-tu? Où es-tu? Lui, il doit être dans l'autre pièce. Ah. La pièce d'Hermès. Un objet de valeur appartenant à Hermès. Finir le jeu pour obtenir cet objet. D'accord. Et c'est donc peut-être ça que j'aurais oublié face à Hadès. D'appuyer sur R1 peut-être à un moment, mais je ne l'ai pas vu, je dois vous l'avouer. Et donc il est mort. C'est tellement de bizarre de se dire qu'Hermès, on l'a battu facilement, non, mais... Vraiment, sachez-le. Bizarre, hein. Ok, on n'a pas eu beaucoup d'or, mais beaucoup d'action. Donc encore un dieu que nous avons tout simplement anéanti. Ça fait plaisir, les amis. On va prendre ça, même si on n'a pas besoin, parce que j'avais envie d'ouvrir ce coffre. Ne cherchez pas des fois les explications. Allez, go. Voilà. Je ne serai pas vaincu par un simple mortel. Ça sent le fight, moi je dis. On va juste d'abord regarder la zone. Si on peut. Tu veux un câlin? Oula. Oula, oula, oula. Tu ne mourras jamais. Ouh. Ce jeu, Spartiate. Ok, on l'a esquivé. Tiens. On va enchaîner du coup. Tiens, la prise de catch là. Oui, enfin, en même temps, on te fait assez mal quand même. Hein. Est-ce qu'on pourrait pas l'attraper? Je serai toujours plus rapide que toi. Ah non. Oui, c'est bon. Alors, ça se voit qu'on a largement augmenté les pouvoirs des lames. Hein, parce qu'on lui fait beaucoup de dégâts, je trouve. Pas du tout s'il faut. Alors autant pour moi la pièce alors d'Hadès on aurait pu l'avoir autrement. Ça ne m'amuse plus du tout, Spartiate. Oui, regarde comment on te fait mal. Je pensais que les Spartiates combattaient avec honneur. Et tu essaies de me tuer alors que je n'ai aucun moyen de me défendre. Oh, c'est injuste. Mais tu as ton propre sens de l'honneur, n'est-ce pas, Kratos? Et qu'est-ce que l'honneur t'a apporté? Rien que les cauchemars de tes échecs. Aujourd'hui, tu me bats peut-être. Mais en fin de compte, Kratos, en fin de compte, tu ne trahiras que toi-même.
Il est assez précieuse hein, quand même, hein, je dois vous avouer ce... Mais j'aime bien quand même ce type de personnalité. Il essaie un petit peu de nous jouer, eh bien tout simplement sur, comment on pourrait dire, sa ruse, hein, surtout son intelligence, plutôt que sa force brute, puisqu'il n'en a pas. Heureusement quand même qu'il a quand même sa, son extrême rapidité. Hein. Ok, allez, on va le détruire. Bonjour. Genre... Ah non. Oh! Laisse-moi tranquille! Oh la gueule! Oh, comment on lui a tranchouillé la jambe! Allez, viens! À maintenir! Oh la vache! Nous avons obtenu les bottes d'Hermès, les chaussures du messager des dieux. Vous possédez à présent son agilité. Tu portes à présent les bottes d'Hermès. Utilise leur vitesse. Ah, genre ! Non. Ou bien. Ok, donc, avec L2, donc triangle, ça va être pour l'arc. Après, il y a la tête d'Hélios, d'accord. Alors, on va essayer. Livraison de chaussures. Lando, j'adore. En fait, ouais, c'est plus pour hein, une sorte d'esquive. J'aime beaucoup, en tout cas. D'accord, mon dieu. Et on peut enchaîner comme ça. Lando.com. Utilisez les bottes Hermès pour courir sur les murs. Maintenez L2 et appuyez sur. Pour sprinter vers le symbole d'Hermès. Wow. Ça c'est trop classe. Trop fan. Je suis vraiment fan les amis, sachez-le. Waouh. Ok, on a tout fait. Je pense hein. Par contre il va vraiment falloir qu'on check hein, maintenant qu'on est de plus en plus rapide. Et eh bien vraiment les coffres cachés. Encore mieux que d'habitude. Ok, on a tout fait. On va pouvoir s'en rendre là-bas. Donc, du coup. Waouh. Point de sauvegarde, pourquoi pas. Alors, du coup, il faut à chaque fois changer de touche. Très bien. Énorme. Énorme, les amis. J'adore. C'est trop classe. Non mais non, pas de l'autre côté les Kratos, de l'autre côté. C'est génial. Alors, vous là. En l'air, utilisez R pour esquiver. C'est-à-dire que, comment je peux faire? Ok, bon, hé. Vous me prenez pas la tête, j'ai pas envie de perdre de la vie facilement. Hop là. Voilà. En l'occurrence, ici. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? D'accord. Très bien. Et là, ok. Donc, toujours repérer les marques, les symboles lumineux. Hein. Toujours remarquer. Toujours, toujours, toujours. Je pense qu'on s'en arrêtera au prochain point de sauvegarde, les amis. Ok, alors déjà. Merci.
Et là... Merci. Alors, voyons voir. On va être assez fourbe pour nous mettre un coffre caché à côté d'un coffre normal, hein. Vous en pensez quoi? Moi, je dis c'est plutôt pas mal. Ok, très bien. Alors... Alors, changer d'objet, tout en maintenant L2, d'accord. Donc, pour carré, pour l'arc d'Apollon, triangle, pour la tête. D'accord, très bien, pas de soucis. Donc, c'est ce que je disais, c'est ce que je supposais. Bien. Alors, hop. Ok. D'accord. Non, mais... Oh. Vraiment que je laisse. Vraiment que je pense à laisser appuyer L2 en fait. Enfin, je crois. N'importe quoi. J'adore. C'est tellement, tellement, tellement excellent. Vraiment. Sachez-le. Ok. Un nouveau, un coffre ici. Et nous obtenons une plume du phénix. D'accord. Nickel. Alors, qu'avez-vous à nous révéler? Alors, j'avais pas vu, d'accord, les traces de pas juste là. Cette année? Ah non, mais j'ai loupé! D'accord, donc là, c'est vraiment le didacticiel pour utiliser les bottes. Hein. Oh. C'est un effet. D'accord, c'est juste un effet de flamme, d'accord. Sur la gauche, regardez. Ok. Oh. Pas pété, non. Du coup. Y'avait rien là. Non. Quel mauvais. Quel mauvais. Déjà, il y avait un coffre sur la droite et je suis pas là en hauteur. Donc, je voulais quand même checker en votre compagnie. Ça va. Ils sont sympas, ils sont sympas. Par contre. Ok, pas de soucis. D'accord, donc on peut même pas monter en fait. Très bien. Hop là, ici. Je veux bien la mana, s'il te plaît. Merde. Ok, sinon au pire on fait ça. Voilà. Ah non, ça n'a rien fait. Ok, des ennemis. Bon, il tue tout le monde, pas de soucis. Donc... Bonjour. Ah, attendez. Ça a vibré. Non? C'est moi ou... J'ai senti une vibration, les amis. Au pire. Voilà. Allez, maintenant. Ouais, je confirme, on tape plus fort. On tape plus fort. Voilà, donc lui, son compte est réglé. Et Yatane! C'est le pouvoir de la Keyblade. Ou alors des lames. Allez, go go go. Alors je voulais voir. Ah, d'accord, c'est ça. Donc, hop. Et hop. D'accord, donc c'est ça alors la charge. Comme ça. Et comme ça. Oh, c'est sympa, j'aime bien. Voilà. Et... mort. Non, pas lui. Non, pas lui. Ouais. Alors lui, il est très lent, hein. Par contre, il est très résistant. Hein. Oh, ça va. Allez, on continue. Ouais, ça va. Il a plutôt une courte portée. Voilà, maintenant tu peux mourir dans d'atroces souffrances. Ok, bon, ça va, eux, ça va. Quoique, regardez. Oh, il y en a encore un. Oh. On va les taper, on va aller les taper, on va aller les taper, on va aller les taper. Allez, hein. Au moins se d'en débarrasser un, parce que là, j'avoue, deux.
Mais non! Mais c'est pas possible! C'est lui! C'est lui que je veux! Oh là là, non, 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 non! Bon. Mais non, mais... Oh, et c'est pas vrai. Je vais pas perdre la vie facilement comme ça, sérieux! Bon, ah, tant pis, on n'a pas eu en quitter eux, mais... Hein? Ah non, mais sérieux, ils m'ont gavé, là! Ok. Ça donne plus d'orge. Alors, toi... Ah ouais, hein, je vous rappelle qu'on peut parer directement. Voilà. Et... Très bien, la suite de nos aventures, donc, c'est cette porte. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je voudrais quand même checker à gauche avant pour voir s'il n'y avait pas quelque chose. Donc on va y aller. On en a 26 minutes de vidéo, les amis. D'accord? Oui, il y avait des choses. Il y avait des choses. Moi, je passe pas à côté de tout ça. Regardez un petit peu. Là, et là nous avons une plume, s'il vous plaît. Oh, une corne du Minotaure. Un sacrifice accepté. Amélioration d'objet. Ok, alors j'aimerais bien que la magie s'augmente aussi. Ça serait plutôt sympa, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, regardez là. Ah non, c'est de l'eau. De l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Je pensais qu'il y avait... voyez, on aurait pu croire qu'il y aurait eu un coffre en fait. Non, en fait, c'est l'eau qui ruisselle le long des murs. Tout simplement. Ok, bon. Rien d'autre à nous proposer, les amis? Rien d'autre? En combat, les bottes d'Hermès, je sais pas, honnêtement, si ça va nous être d'une grande utilité. Parce que j'ai pas l'impression que ça fasse beaucoup de dégâts. Donc ça sera pas la priorité pour l'amélioration. Allez, vas-y. Ok. La flamme de l'Olympe. Ok, d'accord, 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 d'accord. On est au-dessus, de la salle où on était, ok. J'ai envie de dire, la boucle est bouclée, d'une certaine manière, quoi. Alors on va checker la zone, et on verra après, et je pense qu'on va pas trop tarder à s'en arrêter. Après, hop là, je veux récupérer un maximum d'orbes. Hein. Alors j'ai l'impression qu'ici déjà, il y a un passage. Oh, regardez, regardez les peintures. J'aime bien, hein. C'est cool. Cette porte est verrouillée. D'accord. Ouais, bon, et vous. Vous allez mourir, merci. Dans d'atroces souffrances. Alors, j'ai vu une première porte, je dirais pas non. Là, on va en récupérer de la vie primordiale. Très bien, là. Bien là, mana aussi, s'il vous plaît. Merci. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Oh, oh, je les avais pas vus, moi, je les avais pas vus. Je les avais pas vus du tout. Ok, rien du tout. Attends, il y a un deuxième, là. Point de sauvegarde. Et là, on ne peut pas y accéder. D'accord. Donc, je vois qu'un passage pour le moment où on peut aller. D'accord. Bon, bah écoutez, hein. Ok. Ah d'accord, non, c'était le même passage. D'accord, très très bien. C'est ça, mais j'ai l'impression qu'en fait, avec comment tourner, c'était beaucoup plus grand que ça, mais pas du tout en fait. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Très bien. Alors, on y va, on y va, on y va. On fait les roulades. Roulade, 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 roulade. Wow, wow, wow. Ok, donc la suite de nos aventures. On est d'accord que ce sera juste... Juste de l'autre côté, hein, vous avez vu, ça sera sur la droite. Hop là, nous on va se diriger vers le point de sauvegarde. Voilà.
On va augmenter nos pouvoirs, je vous propose toujours les lames de l'exil. Voilà, on sera bientôt à fond, donc après nous avons l'arc qui est à fond, griffe d'Hadès. Je pense qu'il faudra qu'on passe aussi un petit peu par les griffes d'Hadès, la tête d'Hélios et les bottes d'Hermès. Donc toutes les deux ont niveau 2. Et il nous reste après deux armes. Très bien les amis, et bien c'était un parfait 9e épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas comme d'habitude à partager, liker et commenter cette vidéo. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures sur God of War 3. Bisous tout le monde !